6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. On est pile à l'heure, il est 9h, oui. Alors, on n'a pas fait exprès en même temps. On amène le coq. Juste après nous, c'est 10 hits à la suite. Il y aura Rihanna, il y aura Bigali avec Watibi. C'est Watibi Gali. Et nous allons parler de Stéphanie et de son chien. Avec une magnifique histoire. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, un mercure en hausse cet après-midi, des mini toujours aussi fraîches en revanche, 12 degrés sont annoncés au meilleur de ce mercredi et ce matin il fait encore moins 6 degrés du côté de Carpentras, moins 5 à Lille-sur-Sorgue, 0 pour Avignon et Sorgue, dans le ciel toujours un beau soleil mais les nuages seront de retour demain avant la mi-journée. Le chômage en hausse, la tendance se confirme pour le 21e mois consécutif en France, plus 1,4% en janvier, plus 0,3% en Vaucluse et près de 33 900 inscrits sur les listes de Pôle emploi dans notre département pour un total de 3 160 000 chômeurs dans le pays. On frôle le record historique de 1997, note positive tout de même par chez nous, avec une baisse du chômage des jeunes, ils sont 5873 dans le 84 et une baisse donc de 0,6% le mois dernier. La fraude semble généralisée. Chaque jour, une nouvelle marque est touchée par le scandale de la viande de cheval. Après Findus ou encore Ikea, Panzani a demandé le retrait de certains produits hier en France. Des boîtes de raviolis fabriquées par William Sorin et distribuées dans tout le pays. En Vaucluse, un quatrième distributeur automatique a été attaqué à l'explosif depuis le début de l'année. Ça s'est passé dans la région d'Orange, à Mondragon, dans la nuit de lundi à hier. C'est cette fois un distributeur de billets de la Caisse d'épargne qui a été pris pour cible. L'appareil a été soufflé sur une cinquantaine de mètres. Les malfaiteurs ont réussi à s'emparer du coffre contenant les billets, mais le système de sécurité de maculation des billets aurait bien fonctionné, rendant donc les billets inutilisables. Une somme d'argent relativement importante détournée cette fois à la paroisse de Vaison-la-Romaine. L'ancienne trésorière est suspectée d'avoir pris au moins 50 000 euros dans la caisse depuis 2003. Les victimes évoquent le triple, soit 150 000 euros. La mise en cause aurait pioché dans les troncs de la cathédrale et les dons effectués par les paroissiens au profit dernier culte. Une affiche ce soir en 8e de finale de la Coupe de France, un classico PSG-OM, 3 jours après la victoire des Parisiens en championnat. À suivre à partir de 20h55, trois autres matchs programmés aujourd'hui et notamment le petit poussé Vénitieux qui reçoit Nancy à 19h. Hier, 3 Saint-Etienne et Evian se sont qualifiés pour l'écart. Sochaux, Lille et Le Havre sont éliminés. Voilà pour vos infos, 9h03 sur Énergie. Bienvenue dans le 6-9 puis 10 hits à la suite. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Encore pendant quelques minutes avec vous, soyez les bienvenus sur Énergie, 9h03, juste après nous, c'est dit, à la suite, il y aura Rihanna, il y aura Bigali avec Watibi, Bigali qui sera d'ailleurs au Énergie Music Tour, c'est ce vendredi là, ouais. C'est dans deux jours, ça se passe à Monaco, c'est à la salle des étoiles du Sporting de Monaco, c'est avec l'association Fight AIDS, donc ça permet de lutter aussi contre le sida, il y a plein de gens, il y a Bigali donc, il y a M. Pokora, il y a Kinvé, il y a Zao, il y a Jennifer, il y a Connor Ménard. C'est un concert qui est réservé uniquement à vous, auditeurs d'Énergie. Si vous voulez y aller pour gagner vos places, faut écouter Énergie toute la journée. Vous pouvez aller aussi sur le Facebook d'Énergie, facebook.com/énergieradio, et vous pouvez aller aussi sur énergie.fr, c'est vendredi soir. 9h04, avant de partir, j'aimerais juste vous rappeler l'info principale de la journée. Hier soir, Stéphanie, qui est à mes côtés chaque matin, m'a envoyé une photo d'elle et de son chien. Elle ne s'est pas rendue compte de l'erreur monumentale qu'elle venait de faire. Non mais à l'origine, ça partait d'un sentiment genre mon chien est mignon, je te fais partager un moment mignon. Mais comme régulièrement, tu nous envoies des photos de toi avec ton chien, voilà. Où t'es avec ton chien, il dit oh, il est rigolo, il va chercher un bâton, comme tous les chiens. Non mais je le déguise des fois, je fais des trucs drôles. C'est vrai aussi, tu le déguises parfois. Et là, c'est une photo de toi qui serre fort dans tes bras ton chien qui est très content. Ouais. Ok. Ouais. Seulement quand tu m'as envoyé la photo, tu n'as juste pas percuté qu'il y avait un détail. Oui, non. Un détail qui allait faire que cette photo va faire le tour du monde. Mais c'est horrible. Cette photo maintenant va vivre sa vie. Ouais. Cette photo va partir partout. Et aux États-Unis, les gens vont voir cette photo en disant
Oh, regarde. Oh, la petite française, la conne, elle a pas vu qu'elle avait fait ça sur sa photo. Ce qui se passe, c'est que sur cette photo que Stéphanie m'a envoyée d'elle et son chien, il y a juste elle en train de serrer fort son chien dans les bras et son chien qui a une érection. Oh, mais en plus, un truc indécent, quoi. Alors, Nico du Web a eu une très belle image pour qualifier ce zizi de chien. Exactement, son zizi est en position rouge à lèvres. Oui, bah oui. C'est comme un rouge à lèvres que vous sortez. Bah, exactement, non, mais ça. Le pire, c'est que ça lui arrive souvent, on appelle ça le sticou. Mais là, j'avais pas vu qu'il l'avait fait sur la photo. C'est horrible. C'est pas horrible, c'est drôle. Cette photo, je pense, maintenant, va faire le tour du monde. Elle va se retrouver sur tous les sites. Regardez cette nana avec son chien qui ne se rend pas compte qu'il bande. Je trouve ça magnifique. Oriane, au standard. Et en plus d'avoir le sticou, comme tu dis, il ferme les yeux. Donc on dirait qu'il est vraiment, vraiment très heureux d'avoir son petit sticou. Ah, mais il est magnifique. C'est le chien le plus heureux du monde à ce moment-là. Mais ça me fait mal au cœur de l'imaginer sur des sites un peu bizarres. Mais il va pas être sur des sites un peu bizarres. Il va être sur tous les sites du monde. C'est ça. Quand tu vas taper... femme, chien, bande, on va tomber sur ta photo. Comment il va faire pour se construire mon chien derrière ça? Mon Dieu, tu te rends compte, s'il a des enfants, ton chien, mais ouais. Ses enfants lui diront, tu faisais quoi avant? Ah, je faisais des photos un peu bizarres avec ma maîtresse. Oh mon Dieu. La photo, on vous la met sur manudansle69.com, allez la voir. On vous la met aussi sur Facebook, facebook.com/manudansle69. On l'a mise tout en haut du Facebook. Ouais. Vous savez quoi, mon plus beau gros bonheur, ce serait qu'elle soit partagée partout dans le monde. Non. Cliquez sur partager, faites partir cette photo dans le monde entier. Oui Stéphanie, tu sais quoi, les plus grands succès du monde, que ce soit au cinéma, en chanson, ouais, n'importe quoi, à chaque fois les gens ils disent on n'a pas fait exprès. Et ben là, non, là, non. Et ben là c'est la même chose, cette photo va faire le tour du monde. J'attends juste le jour où on va la voir sur un site internet américain en disant regardez cette photo. Non, et là on fera pas. Yes, on a réussi. Allez, 9h07, on s'en va, on revient dès demain, on sera là à partir de 6h. Passez une belle journée. Dites à la suite, c'est maintenant, c'est pour vous. Il y a Big Ali, Rihanna. Tous les matins sur Énergie. Énergie.